Donc, je suis blanc, il est CQGS approuvé, je ne connais pas du tout. Hein. Donc, j'ai 7,5 de commis, on a 45 minutes chacun. Là, vous voyez 47 minutes quelque chose, parce que sur OGS, c'est prévu pour la personne si jamais elle est AFK un petit peu, tout ça. Et 5 fois 30 secondes. Donc, c'est les règles chinoises, grosso modo. Bon, il y a quelques petits trucs qui changent, mais par exemple, c'est pour faire situation de tournoi réel, parce que. Au tournoi réel, on joue tous les damés, par exemple, pour pouvoir mieux constituer les territoires après en faisant des carrés, des rectangles, tout ça. Bah là, dans les règles chinoises, en fait, c'est chaque pierre jouée est un point aussi, donc il faut jouer jusqu'au bout aussi les damés. Je crois que c'est ça. J'ai un peu de mal avec les règles différentes, mais je crois que grosso modo, il y a de ça. Ça incite à jouer les damés, en gros, quoi. Tout simplement. Et il joue un Moko Azuchi. Ok. Je suis un peu mes lunettes. D'ailleurs, j'ai un essuie-lunettes, ça marchera mieux. Alors. Qu'est-ce qu'on va jouer ici? On va jouer simple. On va jouer simple pour le moment. On va refuser, parce que je pense qu'il est là, avec son premier coup, je pense que c'est un gars, il aime bien jouer un peu particulier, lancer des combats. Donc on va jouer, on va déjà pas proposer un croisé. Déjà, ça peut être pas mal. Et il joue un deuxième. Pourquoi pas. Finalement, ça va finir sur, il fait un Shimari, à moins qu'il fasse un Shimari du genre Q5 qui est un peu particulier. Mais bon, ça risque de finir sur un truc où il fait Q17 ou plus probablement R4. Donc pour l'instant, moi, il n'y a rien de spécial. Je vais juste prendre un deuxième Oshi. Faut pas trop se laisser intimider. Je connais un je sais qui vraiment d'approche sur ça. Après les autres, j'avais déjà vu pas mal de séances, de séquences, pardon, avec des vidéos de Go Inside, mais. J'ai zappé parce que on les joue jamais quoi. Vraiment des trucs où on approche et c'est lui il répond à R6 par exemple. Moi je connais pas tout à fait les suites quoi. Je sais qu'il faut se séparer l'adversaire, ça oui. Donc ça approche en F17, très bien, ça fait pas de Shimari, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Peut-être que la musique est un peu forte pour vous. Hop. Enfin sur le ceux qui seront sur YouTube sûrement pas, mais bon. Hop. Et du coup oui, il y a un délai de 5 minutes. Pour pas que mon adversaire, même si normalement non, hein, mais puisse venir voir la partie. Et il y a chat en emoji only, pour pas qu'il y ait de backseat, pour pas que on me dise tiens, tel coup c'est pas mal, ou même sans vouloir, sans faire exprès, mais je sois pas influencé quoi. Hop, voilà. Peut-être que j'aurai personne, parce que c'est pas forcément intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, ce bord, on peut tellement encore rentrer dedans que ça me donne juste envie de jouer en C14 en direction de ma pierre en D4. On prend notre temps. De toute façon, il peut pas fermer ce bord en un coup. Donc, en plus, j'adore jouer avec blanc quand j'ai vraiment mon commis de 7,5. Parce que souvent, quand on est en stream, mes commis ils sont de 0,5 quand je suis blanc, souvent. Voilà. En vrai, moi qui aime bien le territoire et avoir 7,5 points d'avance, c'est cool. Comme cool. Et ça, c'est temps. Ok. Un peu particulier, peut-être un peu lent de s'étendre comme ça, je sais pas. Parce que imaginons je joue E17 et qu'il réponde naturellement en F16. Ce qu'il aura sûrement pas envie de faire là justement. Normalement, sa pierre en J17, il aimerait bien l'avoir en K17 ou en K16. La petite règle de N plus 1 là, hein, je pense que c'est bon là. Hop. Donc là c'est un peu petit. Et c'est goté aussi. C'est goté. Contrairement à D17. Qu'il va me forcer un peu à répondre en C17. Donc là, peut-être que j'ai envie de jouer ailleurs, tout simplement aussi. Genre retirer la possibilité de faire un Shimari d'un côté ou de l'autre. Ça peut être pas mal. De quel côté on a envie de faire ça? Si je fais ça. En fait, si je vais de ce côté et que je me fais écraser, voyez, quand je continue, qu'il continue, je saute. Je sais pas, mon développement il est limité ici. De toute façon, ici, il est sur la troisième ligne, il est assez écrasé déjà. Lui, il va faire un mur, alors que là, il a. C'est la direction peut-être qui l'intéresse ici. Donc, j'ai plutôt envie de jouer par là, je pense. Je sais pas trop. Je suis pas très bon en direction. En tout cas, normalement, Q17, R4, F3, tout ça, c'est. Je pense que l'IA, il y en a un, c'est
plus 0,1 et les deux autres c'est moins 0,2 quoi. Donc à mon niveau, ça change pas grand chose. Hein. Pour les joueurs pros, ce serait scandaleux aussi bien, mais nous on s'en fiche. Et il me sépare comme ça. Ok. Pourquoi pas? Pour que tout de suite j'ai envie de séparer en P4. Hein. Si je sépare en P4, qu'est-ce qui se passe? Il vient en O4. Je vais en P5. Il peut continuer une fois, je vais là. Hein. On sépare, qu'il m'a déchiré, donc continuer une fois, c'est peut-être pas recommandé pour lui. Il irait là. Et là, il faut pas défendre en R3 pour moi. Sinon, un jour, je pourrais peut-être me faire couper, mais faire plutôt la connexion bambou. Avoir P4, P5. Et R4 et 5. Et là, il continue et... Je sais pas trop, en fait. Je sais pas si j'aime vraiment ça. Mais en même temps, ça me laisse me développer du côté... d'un côté intéressant. Genre, je rajoute à la fin Q9. Ou alors, j'ai la solution aussi, qui ressemble un peu à... Je sais qui pourrait se passer avec s'il avait le Takamoku en. Je suis en train de regarder ce que ça ressemble. Non, non, ça ressemble pas. S'il avait un Takamoku par exemple et que j'allais là, quand il fait le Kema, on force, tac, et on fait ça. Voilà, ça ressemble un peu tac, tac, tac. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est comme si on était décalé d'un cran. Non, ça... Blanc, noir, blanc. Si noir vient là, j'ai le droit d'aller là. En vrai, pourquoi pas? Je me dis. S'il vient là, je viens ici. Oui, il a ses deux coups. Mais on se développe bien quand même. Et là, il faut que je réfléchisse. Parce que si je continue, effectivement, il a ça. Je réponds. Il a ça. Je peux aller là. Il vient ici. Et là, je peux faire année. Et c'est douloureux ce année. Mais en même temps, quand je viens là, bon. Blanc, noir, blanc, noir. Quand je viens là, si Tenuki qui vient ici, j'ai un Atari ici qui est sympathique quand même, c'est la base de vie partagée un peu. Ou alors je joue directement ici. Et là, il descend là. Et c'est vraiment bon pour ce bord. En fait, je pense que c'est quand même, quoi qu'il arrive, c'est trop fort d'aller là. Salut Shaki Chakra. Bon, tu le verras dans 5 minutes, mon salut, mais. D'ailleurs. Il m'avait dit, Fulgurogo, que j'avais le droit de dire que j'étais en stream. C'est où? Il m'avait dit dans stream quelque chose, stream diffusion. Hop. Salut, avec un peu de retard. Il faut mon lien Twitch, du coup. Hop. Voilà, j'avais complètement ça. Et vous êtes 7, salut à tous. J'espère que vous profitez bien de la partie. Pour l'instant, les explications, bon, c'est chill, hein. J'utilise pas trop en fait, je l'ai de côté à ma petite appli pour montrer, genre là, mais en fait, bon, je vais d'abord jouer mon coup, vous dire ce que je vais jouer. Par exemple, ici, j'ai envie de continuer en R8. Je vais jouer R8. Voilà. J'ai cette petite appli là, que j'utilise normalement. Là, elle est activée, hein, c'est ça? Tac. Ouais, vous le voyez. Mais normalement, je joue quelques séquences pour vous montrer ce que je pense. Là, je ne le ferai pas plus d'un coup. Ou par exemple, dire, bah, moi, j'hésite entre jouer là et là. Parce que si je fais plusieurs coups, bah, c'est un peu moyen. On pourrait se dire, bah oui, mais il triche un peu. Parce que du coup, je peux me rendre compte aussi avec 10 coups de plus. Ah tiens, non, cette situation, finalement, ça me convient pas. Donc, il faut que je fasse attention. Là, c'est pratique pour dire, je pense jouer là ou là, mais ou de dire de quelle paire je parle, mais pas plus quoi. Sinon, c'est de la triche. Donc, j'ai dit que je jouais R8. Ce qui est R9, je jouais tout à fait aussi d'ailleurs.
D'ailleurs, je peux leur répondre dans le chat, en fait. Ce sera en direct. Hop, on joue. Salut Caroxys, salut Chaki Chakra, du coup j'ai dit, et salut Gros, je vais dire Bresto. Normalement, il y a le délai. Hein. Normalement, il y a un délai de 5 minutes. Ouais, ça a un retard de 5 minutes. Super. Bon, il a toujours cette séquence qui est intéressante. Le Q4, je réponds et il joue là. C'est vrai que Q3 aurait pu être gros pour moi, après il descendait, je sais pas. Je connais pas trop cette séquence, hein. Honnêtement, là justement, quand j'ai approché en R4, je m'attendais à ce qu'il joue quoi, du coup. Je sais même plus. Ah oui, c'est parce que mon l'approche classique. Ah, c'est parce que moi j'ai fait une petite erreur. L'approche classique normalement de ça, c'est aller au Sansan. Et après il joue Q5. C'est pour ça que je ne trouve plus ma séquence depuis tout à l'heure. Parce que c'est le coup en R3 normalement que je joue. C'est pour ça que j'étais, mais c'est bizarre, je joue jamais ça. Mais en vrai là il se fait son mur, il est content. Hein. Et du coup j'ai envie de continuer comme ça. Mais ouais, je sais pas. En fait là il est vraiment un jour ou l'autre, ou même maintenant s'il veut, il est trop content de faire R4 et tout. Il fait un mur incroyable. Donc là, la séquence est pas folle pour moi. Ouais, c'est Sansan, clairement, que je devais faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et là, il jouait Q5, et oui, on avait la séquence où je jouais Q4. Et j'ai... Donc là, je lui donne plus, et moi, je le sens sans me garantir d'avoir pas mal moi-même, quoi. Ouais, là, il fait... Il joue avec son mur, c'est normal. Et en vrai, Q4, c'est gratuit, mais bon. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais peut-être qu'il prend une toute petite avance avec ça, quoi. Bon, il approche haut pour faire valoir sa zone. Bah, si, hein, je peux utiliser quand même pour des trucs comme ça. Il joue haut pour faire valoir cette zone-là pour lui. C'est vrai que c'est intéressant, hein, il a un mur intéressant de 4 pierres ici. Si je mets cette couleur, c'est mieux. Donc, c'est bien pour lui. Il a raison. Et pourquoi pas en hauteur, hein. Ça me donne envie de jouer par là. S'il saute, je saute. S'il pince, je saute. On fait du combat. Après, ça, je pourrais jamais l'attaquer parce qu'il a la base de vie comme il veut. Problématique. Ou alors, je réponds directement ici, mais il est en D3. Je suis en C3. Il recule. Je descends. Et quoi, il ressaute. Soit il est deux strats. Soit il ressaute pour dire regarde, ma boîte, elle est grande. Soit il fait une extension pour dire voilà, j'essaie de concrétiser. Ça dépend de son style. Mais vu le F4, je dirais qu'il sauterait une autre fois. Pour ça, que j'ai peut-être envie d'aller en J4 tout de suite. J4 qui me laisse un M3 possible s'il ne me pince pas tout de suite. Ça peut être intéressant. Ouais. Si je vais là, il saute encore. Après, on peut réduire, mais le problème, c'est qu'il est déjà tellement haut ici. C'est compliqué, quoi. Ouais, je vais pincer. Je le sens mieux quand même de pincer. C'est parce que si je donne trop de force, après, quand on vient réduire, même si on vient sur la sixième ligne, il est quand même plus haut que nous, à gauche et à droite. C'est chaud. C'est chaud, ouais. On va éviter ça. Ouais, petite erreur en bas à droite. Pas dramatique, hein, vraiment, mais on connaît pas du coup trop les séquences. Hop, je regardais si vous disiez quelque chose d'important. Bah non, mais vous pouvez pas. Je suis bête. Alors. Du coup, oui, j'en ai pas parlé plus que ça, du coup, encore. C'est parce que si je mets la vidéo sur YouTube. Là, je participe du coup à un tournoi organisé par Fulgurogo, alias Isoka sur Twitch, il me semble. Isoka, le perso de Hunter x Hunter, je crois.
Donc là, il fait pas mal de tournois durant toute l'année qui suivent. Certains sont à plus longue durée, on a une, 2 semaines pour jouer une partie par exemple, et d'autres comme celui-ci sont étalés en format réel, on va dire. Il y a 4 parties sur le week-end, donc une partie à 10h aujourd'hui, une autre à 14h cet après-midi, et demain c'est la même chose, 10h et 14h. Avec tous ces tournois, on accumule des points selon notre classement dans chacun. Et à la fin, celui qui a le plus de points, grossièrement, devient le mammouth impérial, je crois avoir compris. C'est la première fois que je participe à un tournoi, je crois, de Fulgur Go, ou alors ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. N'hésitez pas j'ai pas mis en commande, mais ça devra apparaître en note si vous spammez les émoticônes. Le YouTube de Fulgur Go. Mais au pire, vous tapez Fulgur Go sur YouTube et son Discord. Si jamais vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire tous les tournois, donc vous pouvez participer au prochain, tout à fait quoi. Donc là, il prend une extension à son mur. Et là, c'est là où il est peut-être pas très content, même si ça va, hein, je pense pas que ce soit un mauvais coup. Mais en général, on préfère pousser vers la force. Et là, il fait une extension à son mur qui est une extension assez petite, finalement. Je sais pas s'il est content de ça. Parce que maintenant, je saute. Et je suis assez content. C'est une petite mine en fait qui est là, quoi. Une petite bombe. Et salut à toi, Sunzu. Hop. Donc il saute. Donc il essaye quand même d'agrandir sa boîte. Le truc c'est qu'on a un coup d'avance et finalement maintenant je peux me dire ouais mais mon coin va être très gros. Il faudrait compter un peu, voir combien il y aurait dans cette boîte si par exemple je joue F3, qui va en G3, que je recule et qui connecte par exemple. S'il descend ça pourrait laisser pas mal d'adji et ça pourrait le faire chier. Il faut compter combien j'ai potentiellement. Bon, là c'est dur de compter, mais dans le coin là, ici, plus le commis que j'ai. Je sais pas. Est-ce que ici, ce qu'il a, sachant qu'on peut réduire, hein, il peut pas enfermer cette pierre trop facilement. En vrai, c'est peut-être intéressant. Hein. Je vais essayer de compter un petit peu. Ouais, on va dire que j'ai un peu plus de 40 points, sûr, on va dire, avec le commis. Et là, pour l'instant, ça, c'est pas trop des points. Pour l'instant, il en fait, on va dire 4, on est gentil. Ici, il n'y a pas de points encore. Donc ça, il faut se dire, est-ce qu'ici, il y a 40 points, quoi. Ouais, il y a 40, mais pas plus, quoi. Et sachant que je vais finir santé, ben ça va, j'ai l'impression. Parce qu'il y a de la G en plus. En vrai, je suis assez content de ça. Ça fait un gros coin. Avec le santé, ça va, je pense. C'est vraiment pas facile de jouer Moyo, on va dire, avec le Go moderne, je trouve. C'est réduisible facilement. Donc il défend, c'est normal. Ce qu'il faut maintenant, ce qu'on regarde en fait, c'est surtout comment est-ce qu'il va défendre ça. Est-ce que voilà, justement, ça, on pouvait imaginer plusieurs coups en fait de défense de la part de Noir. Il a choisi le plus solide, et moi je pense que j'aurais fait comme lui. Donc, ce qui est pratique par contre, c'est que G2 est mon privilège. C'est vraiment très gros. Ça aussi, c'est gros. Est-ce que je le fais tout de suite? En même temps, ça menace de rentrer, et sinon, j'ai rien à gagner de spécial de différent. Donc, ça, c'est immense, je pense. Oui, il pourra réduire en R2 plus tard, parce que là, il va descendre, et je vais aller ailleurs. Je ne vais pas descendre moi aussi, sinon, c'est vraiment. Trop petit.
Et effectivement, plus tard, il pourra réduire en R2. Mais là, il pourrait aller en Q4, R3. Donc c'est encore plus gros pour lui. Donc autant prendre ça tout de suite, et s'il répond pas, un P2, c'est vraiment chiant pour lui, quoi. Ça répare un petit peu mes formes. Je peux encore sortir hein, si j'ai envie. Parce qu'à la fois, je pourrais sortir. Donc, imaginons, je vais là. Ça me laisse encore le choix, bah, du coup, de continuer à sortir. Mais en plus, ici, ça lui pose la question de quand est-ce que tu connectes tes pierres. Donc, attention à ça. Hop, je fasse tout. C'est intéressant ça. Parce que effectivement, finalement, ça me donne peut-être envie de répondre. Parce que maintenant, s'il fait Atari, voilà. Il grouille c'est en fait, je sais pas. Si noir vient là, je réponds. Et c'est, ensuite, il peut prendre cette pierre. Mais maintenant, je peux répondre toujours en Q2. Ce qui menace d'aller en O2 et de réduire en néant les points ici. À néant. Et si je vais là et qu'il descend, bah finalement il pourra pas aller en R2. Et est-ce que c'est dangereux? Noir, blanc. S'il coupe, je peux faire Atari. Ok. Et je me trompe un petit peu quand je vais là et qu'il vient ici. Quand il fait Atari et que je réponds, il peut aller en R2 parce que je ne peux pas descendre. Sinon, il a son Tsuji en R3. Je vous laisse regarder ça vous-même. Sauf sur YouTube, vous pouvez regarder ça sur le SGF. Et du coup, il aurait 3 libertés et moi plus 2. Donc oui, il pourrait aller là, je vais là, il passe au-dessous et je fais Atari. Mais en soi, j'ai un plus gros coin largement que la séquence de début où il joue en Q4, je répondais, il allait là. Donc c'est santé. Enfin, c'est pas santé, mais qu'est-ce qu'il pourrait jouer à la place de ça? Il pourrait continuer ici. Mais encore une fois, maintenant, il faudrait faire les 40 points ici, parce que là, ça, je pourrais réduire largement. Ouais, c'est intéressant quand même. On a même des coups un peu chiants, parce que s'il répond pas là, on peut même essayer d'imaginer des coups. Voilà, c'est peut-être un peu fantaisiste. Imaginons la Itenuki. Si Blanc joue en M3 ensuite, ça menace un peu de jouer avec la pierre en J3, mais en même temps de ensuite sauter en O2 et vraiment d'être des deux côtés, c'est vraiment pas mal. Ah, il fallait qu'on écrive. A priori, FGC 08. Oups. Et du coup, il descend. Il y a eu du gain pour moi. En vrai, je vais prendre ça tout de suite parce que c'est mon privilège. Là, ça menace d'aller en J2 qui est très très chiant pour lui, donc il va protéger en J3. Il y a des chances. Ou ici, ok. Peut-être un tout petit peu dommage parce que s'il avait protégé là, quand je viens en H1, il peut protéger ici grâce à sa double gueule de tigre. Et je recule. Alors que là, avec son coup ici, je peux encore aller ici. Il va protéger, je peux aller là et il va protéger. Donc ça change santé ou goté. Donc, ouais, une petite protection en gueule de tigre en J2, J3 est pas mal, je pense. Après, il est 100% connecté, il reste plus de petites merdes, effectivement, quand il joue là, où je peux tenter des trucs avec ça. Est-ce que je voulais vraiment faire ça? C'est compliqué de donner de l'importance à cette pierre. C'est chaud, quand même. Je vais recompter pour voir comment est-ce qu'on doit agir. Ouais, je me compte 40, entre 45 et 50, on va dire 45, on va dire, ouais. Et lui. Attention, moi, le P1 est dangereux. Hein. Si je fais P1 et qu'il répond et qu'on fait la séquence et qu'il répond, c'est goté, a priori. Parce qu'après, il peut faire l'atari, tac, et couper. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Non, ça va.
Parce que je suis très sollicitable. Mais c'est des formes qu'il faut toujours surveiller un peu. Donc j'ai SNT, j'ai pas mal de SNT encore, c'est... Ça donne envie presque de les jouer, parce que finalement, il y a... Enfin, surtout celui-là, en fait. C'est un SNT-SNT, on va dire. Parce que si l'adversaire joue ici en Q1, c'est SNT pour lui. Et si moi je joue en P1, c'est SNT pour moi. Alors que ici, ce serait SNT goté, parce que moi, je suis SNT. Mais lui, en jouant en G1, il est goté. Parce que je réponds F1, il répond et fin d'histoire, je suis protégé. Je vais faire juste mon P1. Qui protège. Il fait Atari, tac, il coupe. Je fais Atari, il va là, je vais là. Il me reste 3 libertés et lui 2. Je surveille hein, quand même de pas faire vraiment pas faire de bêtises. Mais après, ça va. Bon, bah, on prend, hein, privilège, privilège. Et vraiment, on essaie de réduire ça. J'ai pas compté ses points, on va compter ses points après ça. Mais je m'étais pas compté les points ici, parce que j'imaginais avec la séquence dont je vous ai parlé juste avant, avec le R2, alors que là, il y aura peut-être un peu plus. Genre 4-5, donc là, je peux dire que je suis au 50, quoi, en fait. Et lui... Il refuse ça, très bien. Je vais juste monter là déjà. Là je me ferai engueuler par certains parce que j'hésite à couper, mais non, t'as poussé sans couper. est-ce que j'ai envie de couper ici? Putain, envie de venir réduire, parce que si je coupe, il peut aussi sacrifier et agrandir son truc. Vraiment, si je fais ça, il peut pousser dans ce sens-là pour agrandir toute sa zone ici, en fait. Ce qui est un choix, hein, c'est un petit peu un mauvais choix. S'il chope le coup en F8 à un moment, c'est intéressant aussi. En fait, là, j'ai plus envie de... Je sais pas. Je sais pas comment jouer ce truc. Il faut que je recompte encore, je disais. Il me reste du temps, hein. Oui, il me reste du temps. 50 en fait, j'ai pas besoin de compter beaucoup plus, 50, c'est lui qu'il faut que je compte. Il a combien de points? Ouais, il a 40-45 je dirais. C'est assez dur à dire hein, ici. Là. Donc il faut que j'empêche que ça se fasse trop facilement. Ou alors il faut que je trouve des sources de points assez conséquentes moi également. Quoi. Genre il y a le coin ici, mais il ferme. Regardez si sur la séquence je suis SNT ou pas. Quoi. Surtout que là je lui donne, en allant en SNT, là, je lui donne l'influence ici. Et ouais, il a tout le centre. Quoi. Donc pas forcément la meilleure idée du monde. Peut-être plus un coup en K16. Ou alors un coup par ici quoi. Mais là il faut être prêt à vraiment combattre quoi, c'est pire. Ce que je regardais aussi c'était des coups par ici. Au contact vraiment. Même un coup par ici en soi. Hein. Si je coupe c'est chiant, il y a un point de coupe ici et ces pierres là on sait pas trop. Peut-être ça d'abord et voir comment il réagit et ensuite avoir un coup par là. Et faire un petit mur ici. Ce serait vraiment le plan idéal hein, d'avoir. Si blanc il se fait un mur comme ça ici, là dans cette direction, un petit mur hein, de 4 pierres, ce serait vraiment abusé, je pense. Et en même temps. Là il va jouer là. Ou ici. Je pense. Salut BFM. Salut, salut. Il joue ici, il agrandit son territoire, très bien.
En vrai, je vais plutôt réagir ici. S'il détruit un peu ici, c'est pas trop grave. Il y a pas trop de potentiel sur ce bord gauche. Ouais, il faut vraiment. Si, là, il faut pas que je le suive. Parce que si je descends tranquillement en C6, ouais, il gagne de la force. Mais pour attaquer ces pierres-là. Là, ce qui est important, c'est vraiment cette zone. C'est là où il a tous ses points. Moi, en soi, j'en ai pas mal ici. Et il peut pas retirer tous les points là. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut réduire. N'hésitez pas à me dire après à m'envoyer un message sur Discord ou n'importe quoi si jamais ça. Si vous voulez. Si le délai. Bon, les emojis, ça restera, hein, mais si le délai de 5 minutes, c'est trop, ou si on a juste besoin de 3 minutes, 2 minutes, j'en sais rien, mais. N'hésitez pas. Voilà, simplement. Sur Discord ou sur le prochain stream, n'importe quoi. Faire attention à ces pierres hein, si jamais ils connectent pas. Ici, qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut aller en C6. En fait, là maintenant, quand je le regarde, je me dis, ouais, peut-être que j'aurais pu répondre en C6, parce que ça menaçait ensuite d'aller en E7 et de prendre pas mal sur le bord gauche. Donc peut-être qu'il aurait répondu lui-même E7 et après je pouvais aller là. Mais j'ai voulu jouer au plus gros tout de suite. Parce que s'il vient en C6, ouais, je protège en C5. Il fait l'atari et je reviens. Il a deux points de coupe. Moi, j'ai pas trop de problèmes dans le coin, c'est pas très beau, mais j'ai pas de problème en soi. Donc je trouvais plus important ici. Mais j'imagine que c'est possible de jouer en C6 d'abord. Je sais pas. Ah, il avait utilisé assez peu de temps, parce que là ça fait déjà 3 minutes qu'il réfléchit, mais il avait utilisé assez peu de temps pour le début de partie. Après, influence, ouais, il a fait ses murs. Il a fait ses murs. Elle a l'air sympa sa petite image de profil. On peut voir en cliquant? Non. Il connecte, d'accord. D'accord. C'est pénible de connecter, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de le faire. Est-ce que ici, quand il coupe, il y a Geta? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, il peut couper qu'une brute. Parce que moi, je ne peux pas prendre les pierres. Donc, plutôt un coup comme ça. On part tranquillement. Peut-être pas un coup, même si on pourrait partir d'une manière plus légère, hein, avec un coup comme ça, par exemple, la petite forme de la fleur, là. Mais ça semble vraiment très gros le coup en K5 qu'il prendrait. Alors que là, s'il va en K5, je peux couper. Non, je peux. Je peux aller en K6. Est-ce qu'il peut couper lui-même? Je vais là, il sort. Je vais là, et ici, tac. Non, je peux. Ouais, c'est nul aussi. Donc si je joue par là, il faudrait que je joue plutôt en K5, quoi. Ouais, tout simplement. Solide. Parce que de l'autre côté, quand il vient là, quand je vais là, s'il coupe, ça marche moins. Il y a Geta. Solide. Ça menace quand même d'aller en J3 et de faire chier. Voire en K3. Parce que si je vais en K3 et qu'il essaie de couper, je peux aller en N4 derrière. Derrière, ouais. Pour ce gros coup, on va défendre et il va rajouter un coup hein, puisque c'est dangereux. Peut-être B6 d'abord? Non, je sais pas.
Honnêtement, je sais pas. Peut-être qu'il faut remonter en ESA direct. Parce que s'il va en B6, que je défends en B5, imaginons il fait la gueule de tigre, le scorpion, la forme du scorpion, là. Et que je coupe tout de suite. Ouais, il l'attaque. Bah maintenant, j'ai envie d'aller là. Petite forme de la fleur. Allez, on sort. Il tape dedans. On va renforcer. Il va aller là. On va aller ici. Il va aller là. Non, il a peur pour ses pierres. Très bien. Faut que je réfléchisse un peu. Quelle est la meilleure forme pour sortir? J'ai réfléchi à ce coup-là qui est un peu particulier, mais s'il vient ici, je viens là. S'il vient ici, bah je vais là, mais quand il va là, non, ça marche pas en fait. J'avais l'impression que ça marchait, mais non, en fait, il me faut que j'ai ce coup-là. Non, il faut que je. Non, mais ça marche même pas avec ça. Ok. Non, ça marche pas. J'ai pas envie de faire ça, parce que quand il tape là, bah, je me fais un angle vide. C'est pour ça que j'essaie de trouver des coups un peu différents, parce que là, quand je vais là, s'il va ici, je suis content de faire ça. Mais il va aller là, justement. Il va aller en K7. Et je devrais connecter d'une manière moche. C'est vraiment pas agréable. Sinon, je vais ce coup-là, hein, la table. Mais il va par-dessus. Bon, je vais avoir mon angle vide, quoi qu'il arrive, mais s'il va par-dessus, je coupe. Ou alors je saute. Si je saute comme ça, qui coupe, que je vais là et qui coupe, je peux prendre la pierre ou pousser. C'est compliqué, hein, j'ai pas des belles formes. Je sais pas. Salut Valois. Salut, salut. Et dans 5 minutes. Déjà, je vais là chez le souris. Il me reste combien de temps? 18 minutes 40. Ok. Non, non. En vrai, je vais faire ça, hein, tout simplement. Ouais, j'arrive pas à trouver de bon coup, donc on va juste faire la forme. Et s'il va là, je cross-cut. De toute façon, j'aurai un angle vide. Ou pas. Bon. Et maintenant, je peux sortir. Même de forme, de manière très solide, même chose. Il reste toujours le E7 qui traîne. Attention à ça. Il reste toujours des N1, des trucs du genre. Ici, c'est dur de faire des points. En tout cas, on s'en va. Selon comment ça se passe ici, la montée en E7 pourrait être chiante pour lui également un jour. Mais bon, c'était pas très fin de faire un.
un coup en N8, en N9, quoi. C'était Ajikeshi, c'est comme ça qu'on appelle, sortir le G. Ouais, il faudra que je me renseigne un peu mieux, parce que là, il fallait écrire un petit truc dans le chat. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, je tapais sur un truc. On clique sur le message, ça met au moment où le message a été envoyé, approuvé. Ok. Ouais. Approuvé, dans les paramètres, il faut dire... Ok, justement, ouais. Il faut mettre le FGC dans les parties. De manière générale, oui. Un jour, les parties peuvent être plus facilement trouvables par un bot si on tag la partie avec ça. Ok. Ok, ok. Du coup, c'est Fulguro Go Cup, j'imagine. Il vient comme ça, il cherche à atteindre mon M10. Du coup, je m'en vais tranquillement. Comme on dit, on commence à rajouter des pierres par ici, hein, que ça se réveille. Est-ce que ça marche tout de suite? Parce que là, quand je monte, il peut pas faire un air, hein, sinon je capture. Donc il est obligé de monter. Je monte, il monte, je monte, il tourne, je vais là. J'ai l'impression que ça marche tout de suite. Non, peut-être pas. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Là, je vous montre pas la séquence avec l'autre truc, mais... blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et là, blanc, il doit bloquer là. Si noir va là, blanc, noir Atari, puis il prend les pierres. Enfin, il aura plus de liberté. Et si je bloque en O10? Ah, ça a l'air compliqué, puisqu'il a 3 libertés ici, 4. Monter, tac, tourner. Il a plus que deux libertés, certes, mais il peut faire Atari, plus Atari. Donc il manque des coups. Ouais. Oui. Par contre, avec ça, j'ai bien fait de pas couper tout à l'heure. Avec ça, par contre, maintenant, ça marchera. Et là, il répond, je pense. Tac, tac, tac. Je relis quand même. Avec une pierre blanche en plus en P11, du coup. Ouais, ça marche. On va le faire, hein. Vive tout de suite, c'est bien. On aura détruit pas mal de points. Bon, il en refait ici, mais c'est pas autant, quoi, j'ai l'impression. Je vais vérifier que je me trompe pas. Il vient de le lire aussi. Ça a l'air d'aller. Du coup, il fout le doute. Ah bah non, il a ça. Oh là là. Ah, ça ne marche pas. Parce que si je viens là, en fait, il peut pousser. Et quand je viens là, il peut aller là. Oups. Oups, 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 c'est pas bon.
Ah, c'est pas bon du tout. Ah, ça fait chier. Ça fait chier de me le dire. Bon, bah, tant pis pour ces trois pierres, j'imagine. On va essayer de menacer de déchirer. Mais c'est un peu chaotique du coup pour moi. Là, la partie va être compliquée. Parce qu'en plus, j'ai pas mal construit dans cette zone. Aïe aïe aïe. Pas bon, pas bon. La partie devient beaucoup plus compliquée d'un coup. ouais. Parce qu'on lui a concédé quand même le Q11 qui est quand même gros. On a concédé C7. Pour finalement peut-être crever ou en tout cas souffrir énormément. Ouais non, là c'est nul mon coup. Qu'est-ce que je fais s'il joue en M10? Ah, il prend peut-être tout ça et c'est énorme. Sans que moi je sois vivant encore. Ah là 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 là. Non, là il fallait pousser ici. Il fallait pousser en M9. Finir la séquence au pire. Le pousser vers là, sacrifier ses trois pierres et ensuite se jouer ailleurs. Bah vous, 5 minutes avant, vous n'avez pas encore vu ce désastre. Ça va. Ah tiens, il y a le Discord et le YouTube de Fulgurugo qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si jamais je ne sais pas comment vous ne connaîtriez pas Fulgurugo. Et pour ceux sur YouTube, je mettrai ça dans la description. Ouais, en vrai, là, il peut me faire mal. S'il fait M10, qu'est-ce que je fais? Je joue L10? Je tente de compliquer la situation? J'imagine. J'imagine, j'imagine. Mais bon, je donne pas mal quand même. On va raconter à la fin de cette séquence. Après, je me préserve peut-être. Enfin, je garde peut-être le Q17 en poche, quoi. Ou R17. Mais bon. Il y a aussi D18 qui va devenir gros un jour. Ok. Toujours plus de violence. Enfin, on va dire je connecte. Il va dire non, je vais aller là, mais il peut pas fermer. Sinon, je prends. Donc là, il fait ça, je fais ça, et il doit revenir, et moi, je coupe. Un peu de musique. Très bien.
Allez, il revient. Et moi, je... Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Peut-être gadget, peut-être qu'il faudrait que j'aille là. J'arrive surtout d'abîmer ses pierres encore plus. Elles sont pas... Bon, celles-là, elles sont... C'était pas encore foutu, hein, 100%. Je peux encore connecter un jour. Est-ce qu'il a envie de couper maintenant? Pas dit. Mais bon, compliqué. J'ai même pas un œil. Par contre, là, il faut rajouter un coup pour lui, parce que ça, c'est trop chiant. Là, il y a Guetta en J11. S'il joue rien, je peux aller là. S'il joue pas dans la zone. Mince, pardon. Je suis pas sur le bon truc. Hop, ça. Là, ça, il peut pas sortir. Il me reste 15 minutes, tout rond. Ok. Bon, il me rattrape un peu niveau temps. Ok, il sort de ça. Il a raison, hein, il met la pression. En plus, il pourra sûrement protéger son E7 de manière un peu synthé. Je vais m'appuyer sur ça. Hein. C'est ça qui est le plus important, ces pierres-là. Tant pis, hein, ça les abîme, mais bon. Faudra faire quelque chose ici, hein, profiter de la G de ces pierres, peut-être, je sais pas. En même temps, elles font pas grand-chose. Ça dépend comment deviennent ces trois pierres-là. Combien on a de points? On a 50 points toujours, oui, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure en fait. Oui. Et lui, c'est plus compliqué à compter. C'est plus compliqué à compter en fait. Ici, c'est très dur de dire combien il y a de points. Ça peut changer du tout au tout dès qu'il joue là, on va dire. En fait, il va avoir soit ça normalement. Donc on va lui compter 10 points. Pour l'instant, il a 40, on va dire, en points à peu près sûr. Hein. Pour l'instant, je suis toujours devant, en soi. Pour le moment, ça va encore, en fait. On va tourner ici, on prend des belles formes et on va sauter. Voir maintenant notre coupe elle est un peu protégée, parce que s'il coupe comme une brute, on peut atari, tac, continuer, il continue, on continue, et en fait il y a une faiblesse avec ici. Donc là ça me donne juste envie de jouer par là. Très 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 gros coup, je pense que ça peut vraiment changer un peu aussi la partie. Il faut aussi se dire que toutes ces pierres noires... Non, on peut pas vraiment sérieusement couper. Ouais, ça a l'air compliqué. J'allais dire, si je vais en J3, oui, mais il peut aller en K2. Et il se passe pas grand-chose, en fait. Hein. Si je force, il va là. Et j'ai pas trop de manière. Il connecte juste par au-dessous, quoi. C'est pas facile, mais ça se fait. Bon, pour le moral, il fallait que je prenne E7, je pense. Pour me dire, allez, j'ai quand même gagné quelque chose de cette séquence. Et même, je peux encore aller en O5, donc ça va, il reste quand même... C'est pas tant que ça de perdre non plus. Mais ça faisait peur un peu. Hein. J'ai quand même donné un mur incroyable ici, et dès qu'il vient là, c'est chaud. il peut faire beaucoup ici. Hein. Et moi, je peux faire beaucoup à gauche pour le moment. C'est une partie assez bordélique. Pum, 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 pum.
Alors en vrai, s'il rajoute Q17, c'est cool. C'est quand même immense, c'est un quart de goblin. Bon, j'imagine qu'on pourra toujours rentrer dedans, mais. Si je fais Q17, peut-être qu'avec des coups comme Q18, je pourrais faire quelque chose. Dur en vrai, mais bon. Ouais, du coup, ça me fait me demander si E7 était raisonnable ou pas. Peut-être que c'était Q17 qu'il fallait faire. Bon, je vais aller au bout de mon idée quand même là. Probablement faire double année. Quoique le double année, il fait Atari en F7, je protège ma pierre. Il fait Atari en F9. Continue. Il continue. Et en fait, je vais me faire capturer ces pierres-là. Contre les pierres en D7, C7, mais... Peut-être qu'il faut juste aller en F7 pour moi. Couper gentiment. Faire un déchir Kema. On continue, déchir Toby du coup, on continue. Peut-être que maintenant on va là. Non, ça change rien. On va ici. Et s'il va en G8, je vais aller en H6, je pense. S'il vient ici, je viens là. Et après, s'il coupe, attends. Ouais, je peux connecter mon groupe par ici aussi, donc c'est un peu mi-high. Mais l'important, c'est de maintenir séparé au moins cette formation, mais peut-être avec ces deux pierres. De cette formation-là. Faut qu'il fasse vivre à gauche plutôt en fait. Je sais pas. Ça va être gros. Ça va être très très gros. D'ailleurs, Q17 ou R17? Pour blanc, si jamais j'y vais. Plus Q17 hein, pour le coup. Alors, en bas à droite, j'aurais dû faire le Sanson et je l'ai pas fait. En haut, il vaut mieux pas que je fasse le Sanson parce que là, il sera content d'enfermer et de prendre l'extérieur. Donc, il faut peut-être que je prenne Q17 et il va sûrement faire quand même P16. Mais je vais obtenir plus de points. Alors que si je vais en R17, il peut. Il peut aller direct en Q17, peut-être.
prendre le max possible sur l'extérieur. Bon, on va bientôt arriver kiff kiff niveau temps. Une partie incroyable que j'ai faite là quand même. Beaucoup de... Ouais, c'est très brouillon sur le centre. Et même qu'il ait ce potentiel là, ici. C'est pas mal en vrai, hein. Il avait une force, j'ai envahi, mais sa force s'est déplacée tout simplement. En vrai, il est pas si mal, je pense. Ah, ce qui est chiant, c'est à gauche là, mais... S'il obtenait ça, il y a quand même un beau potentiel là. C'est du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fois 8, 9, 10, on est quasiment sur du 70 points ici, du coup, je dirais, on va dire. C'est beaucoup. Du coup, il vient ici. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? On va tourner là, tout simplement, non? On va tourner, c'est pareil. C'est vraiment ces pierres qui m'intéressent. C'est vraiment le bord gauche en fait, tout simplement. Parce que on peut l'imaginer presque aussi gros ça que ce qu'il y a là. Ensuite, j'ai ça qui est assez gros aussi. Qui est plus gros que ce qu'il pourrait faire par là. Et j'ai le commis. Donc ça a l'air ok. Si on essaie de voir ça vite fait. Je vous montre les grosses zones pour l'instant d'influence. Noir. Bah, potentiellement blanc, hein, mais voilà, hein, c'est potentiel. Noir un peu par là, blanc là, blanc un peu par là, noir là. Ça a l'air kiff-kiff, sauf que j'ai le commis. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Encore une fois, la situation n'est pas finie ici. Mais en même temps, noir doit rajouter un coup là. Et ici, je compte ouais, une dizaine, parce que soit je vais par là. Et je retire les points qu'il y a ici. Soit il fait ça à côté, mais ensuite je peux connecter là et du coup je perds pas ses pierres. Ça semble un peu miaille. Ok. Bon, alors comment ça se passe ici? Il veut vivre. C'est un peu bizarre de faire sur la quatrième ligne s'il veut vivre ici. Je regarde direct un peu le point vital de sa forme. Parce qu'avec ça, si il bloque là, je peux aller en B7. S'il bloque à Atari, tac, et on capture. Mais en même temps, s'il bloque par là, il faut reculer ici. Ça a l'air pas mal d'aller direct dedans. On va attaquer. Hop. À voir comment il s'en sort pour... Il reste quand même une sortie, peut-être. Donc à voir comment ça se passe. Un peu mieux. Hop. À voir. Cinq fois 30, ouais, ça va passer vite.
Il reste toujours un coup qui est assez gros aussi, c'est le H6 là ici. Qui est intéressant. Attention au nombre de libertés quoi. Il vient ici, je pourrais aller là, du coup je parlais soit de lui de là ou là pour lui, mais il décide de couvrir. Je peux aller là, mais il pourra recouvrir ici et mieux se développer de ce côté pour pouvoir sortir plus facilement. Donc peut-être que j'ai envie d'aller là d'abord. Ah, je sais pas. Parce qu'en même temps, il continue, je continue, il continue, je continue. Et il sort. J'ai l'impression aussi, je peux peut-être l'empêcher juste de sortir en jouant par là, par exemple. Et il fait se passe quoi Bon, je vois par là, par exemple. S'il descend, je peux revenir là. S'il fait ça, je vais là. S'il va là, je fais Atari, il vient ici. Et on protège. On peut faire les Atari, certes, mais... On va pas se sortir. Et s'il vient par là, je peux toujours partir. Donc en fait non, je vais aller ici plutôt. Ouais, ça, ça a l'air pas mal. Parce que s'il vient là, je peux descendre. S'il va là, je peux aller là. On va réduire l'espace vital. Et ça empêche un peu de sa sortie ici. Salut Lumirona. Salut, salut. Faudrait que j'estime si je tue à gauche mais qu'il prend le tout le bord tout le coin quart de Goben, je sais pas comment dire nord-est. Combien ça fait chacun? Grossièrement. On serait pas très loin des 100 points, nous. Et lui... Tu te compteras à peu près à égalité. Ok. Ok, ok. A voir si, une fois qu'il a rajouté Q17, je peux toujours essayer de faire un truc à l'intérieur. Si je fais 2 points, c'est large suffisant du coup. Mais bon. C'est chaud. Plus bon, je l'ai pas encore tué. Il y avait d'autres qui étaient en train de streamer leur partie, je crois aussi. Il y a Tilwen. Tilwen ou Tilven, je ne sais même pas.
Ah, lui, il a pas mis de emoji only. On peut du coup? Je sais pas du coup. Donc lui il est 4. Non, il est 1Q contre un 4Q. Il tente de se casser. Il est normal. On lui dit non? Comme ça? Il force. Je recule. Il force. Je recule. Il force. Coupe. Il me coupe. Et on aura plus de liberté que lui après, oui. Je regarde s'il n'y a pas de meilleure manière, mais ça a l'air pas mal ça. Il peut pas couper vraiment ce schéma. Enfin, il faudrait venir au milieu, quoi. Et s'il pousse là, je vais là. S'il pousse là, je vais là. S'il pousse ici, je recule. S'il pousse, je recule. S'il pousse, je vais ici. S'il coupe, on va ici, hein. Je sais pas. Il y a des petites faiblesses encore à garder ici, si jamais j'ai un coup par là. Avec tout ce groupe-là. Ça peut aller vite, hein, Atari, et ensuite on fait Atari ici, et il y a peut-être un Geta. Ça peut aller très vite. Dans un monde idéal, bien sûr. En tout cas, c'est bien parce que plus il se, comment dire, plus il défend, si jamais il se foire à la fin, bah, plus j'aurai refermé mon territoire et fait de points du coup. Ça peut être intéressant. Plus il résiste, plutôt. Ouais. Mais ça a l'air dur parce que est-ce qu'il peut faire un. S'il fait un œil ici déjà, moi c'est chaud, hein, parce que s'il vient là, je peux venir là. Il prend la pierre, mais je viens ici, il capture. Ouais, il y aura peut-être un œil. Mais il faudrait qu'il ait garanti de ce côté d'abord, en sainteté. C'est dur. Et ici, il peut pas faire de dieu. Ok. Qui dit c'est si je vais là il peut aller ici je connecte hein. Mais ici ça fera pas deux yeux c'est le 4 idiot tac 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 mais ce qu'il dit c'est je serai sûr de faire un œil au moins maintenant et du coup je n'ai plus qu'à prendre cette pierre. Si je tenouki ça, ou alors si je joue ça. S'il vient ici, je viens là. Il connecte, je viens là. Il coupe ici, je suis capturé. Pas forcément en fait. Tac. Blanc. Noir. Blanc. Si. Si, si. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Blanc. Noir. Blanc,
Noir, blanc, noir, coupe. Je résiste comme ça, par exemple. Ou en... Je sais pas. Connectant d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Mais en même temps, j'aurais connecté là, et du coup, il me restera ce coup. Tout simplement ça. Ou alors je vais ici. Il peut couper, je connecte. Et ensuite, est-ce qu'il peut couper ici? S'il coupe ici, Atari, tac. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari. Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, mais la question c'est s'il fait un œil là, parce qu'en fait, là, quand je fais ça, tac, tac, il coupe pas, il remonte encore une fois. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bon, on va faire celui-là, mais sans conviction. Hein. J'utilise trop de temps. J'utilise trop de temps sur tout ça. Compliqué. Compliqué le jeu de go. Ok, j'avais pas réfléchi à celui-là. Ouais, mais en même temps, il gagne les deux et là, il a retiré une liberté, il peut gagner B6 aussi. Ouais, c'est bien joué. Cela dit, ça, c'est pas forcément santé du coup, je peux peut-être monter là. Et quand il coupe, je peux aller là. Ouais, donc là j'ai pas besoin de protéger la coupe. Mais il prend ici. Ah, il va vivre hein, sûrement. Bon, je vais gagner le coup en Q17, mais pff, ça change beaucoup de choses. Bon, il va vivre, c'est pas encore fait, mais. Faut encore qu'il le. Non, c'est pas évident en fait encore. Parce que si je joue là, il a aucun œil ici. Il faut que ça soit santé tout ça en fait. Ou alors il faut qu'il vienne là, mais comme j'ai dit, finalement c'était pas santé quand il vient là. Après il coupe. Je viens là. Et finalement, si c'est trois pierres, il faut que je fasse attention. Donc quand il vient là, peut-être que je devrais monter. Ou jouer là. Ouais, peut-être jouer là. Coup de forme. C'est dur. Non, peut-être sûr. En tout cas, si je le tue pas, il faut absolument que je chope le coup en Q17. Sinon, ça va être vraiment short pour moi. Venir par ici, menacer de passer par là ou par là.
Ici, si même s'il fait Atari en B9 que je viens là, trois libertés. S'il protège ici, je peux capturer la pierre. Il fait Atari derrière, je capture, il protège. Et ensuite, je peux menacer ça. Il vient ici, je fais Atari, il capture et je refais Atari. Donc, ça a l'air compliqué pour lui. Qui peut pas m'empêcher de connecter d'un côté ou de l'autre. Si Fatari est là, je vais là. S'il bloque ici, je peux partir. Pas facile. Comment il peut faire ces deux yeux? C'est un peu chaud, hein, parce qu'il faut que je joue ça, mais là il n'y en a qu'un ici, de toute façon d'œil. C'est le 4 idiot ou une forme en 5. Est-ce qu'il avait pas mieux que ces 10? On va faire la gueule de tigre. Je faisais Atari pour empêcher qu'il fasse cet œil-là. Je sais pas. Ah, du coup, il va tenter la séquence dont on a parlé. Blanc. S'il connecte ici, je prends. Donc, il a pas envie de faire ça. Donc, quand je fais ça, il protège pas cette pierre. Protège ici. Je peux pas aller là, c'est auto-atari. Donc, quand je viens là et qu'il vient ici, j'ai plus de deux libertés. Il faut que je capture. Ensuite, il vient là, je capture. Il vient là. Non, je peux capturer cette pierre. Donc blanc, noir, blanc, noir, blanc capture, noir connect. En s'appuyant ici, il pourra peut-être faire un œil là. Bon, déjà, on va venir là. Il va connecter. On va prendre, il va faire contre-attaque, on va capturer, il va protéger. On va faire. A6, il va venir là, on va faire Atari, il va capturer en A5 et on peut faire Atari derrière. Donc ici ça va, on s'en sort, ça va pas se jouer jusqu'au gros bout de la séquence du coup, mais. Et du coup il fait autre chose. Je sais pas si j'aurais voulu faire B11 à sa place. Je pense que là j'aurais voulu jouer la séquence en fait. Comme j'ai dit là, B7, je capture, il fait contre-Atari en B11 et je capture la pierre et moi je dois connecter. Donc lui, quand il connecte en C11, il faut que je fasse mon truc, mon A6, comme je disais. Mais il aurait eu une pierre de plus ici. Et il jouait ensuite là. Et peut-être que après son G10, peut-être qu'il y avait un œil là et un œil ici. Surtout que ça, c'était santé, parce qu'il menaçait de capturer en C13. Il aurait eu ces trois pierres là. Alors que là, ça touche pas ma pierre. Alors que là, il aurait eu deux pierres qui touchaient celle-là. Et s'il fait A10 par exemple, bah, je peux aller en C11. Après, quand il pousse ici, je viens là. Déjà, on va faire ça. S'il coupe, on vient ici.
Ah, il est vivant, peut-être, ouais. Ok. Du coup, on va plus toucher. Oh non, il est vivant, ok. Parce que là, si je viens ici... Non, c'est peut-être ça, la seule façon de dire non, mais... Il peut aller là, dans ce cas. Si je bloque, il fait Atari, tac. Il retourne ses deux yeux. Et si je bloque là, il peut aller ici, il a un œil, deux yeux, pardon. Si je vais là, qu'il va ici... Et qu'à la place, je monte. Je peux continuer une fois. Je bloque. Il descend. Je peux aller jusque là. C'est compliqué, hein, le go. En vrai, je vais peut-être pas toucher tout de suite parce que c'est un go, j'ai l'impression. Peut-être profiter tout de suite de ce coup. Qui est quand même assez gros. Parce que là, je peux Atari. Tac, Atari. Tac. Et Geta. Ça ressuscite mes pierres, ça détruit un peu ce qui se passe ici. Parce qu'en soi, c'est pas très gros, hein, là. Si, il vit. Otage. Bon, j'ai gagné cet échange, déjà. Tac. Est-ce que ça, c'est pas intéressant maintenant? Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Je sais pas s'il faut que je lance ça tout de suite. En même temps, s'il vient ici, c'est fini. Peut-être. Ouais, non, mais en fait, oui, il peut venir là. Et là, je descends. Et il rajoute un coup pour protéger, parce que si je viens là, ça a l'air chiant. Ouais, c'est peut-être. Je me suis peut-être embarqué dans un truc un peu bizarre là. Si je suis goûté, ça fait mal. J'ai plein de points de coupe en plus. Ouais, compliqué. Je vais rentrer en Biomi. Une situation quand même délicate. Il a fini sa partie. Tilwen. Je sais pas s'il a gagné. Voilà, il regarde s'il a besoin de rajouter un coup. Je comprends. C'est... Ouais, s'il a pas besoin, c'est un peu con. J'ai peut-être joué vite. Blanc, noir, blanc. Coupe tout de suite. Bon, on règle nos problèmes tout de suite, c'est bien. Parce que grâce à ce coup, je peux aller en 4-3. C'est quand même gros. C'est quand même très très gros, en fait. Et en soi, il s'est retiré une liberté. C'est intéressant ça aussi. Il s'est retiré une liberté. Du coup, il connecte, et là, maintenant, je peux venir là. Noir. Blanc. Noir. Blanc.
C'est quand même compliqué, hein, parce que j'ai des faiblesses, mais bon. Il faut que je tente. Je vais connecter en dur. C'est pas très beau, mais ça menace capturer ses pierres. Ce qui me connecterait par la même occasion, toute celle-là à celle-là. C'est le coup qui m'attire direct, est-ce que ça marche? Ça a l'air d'être pas trop mal quand même. Pour un peu fermer tout ça. Faut l'empêcher d'y aller. Ou alors comme ça? Non, il faut l'empêcher comme ça. Et quand il coupe, fait bambou, mais il pousse, on va là, il coupe, on va là, et il revient ici. Complicado pour mes pierres. Parce Yo, que je yo. peux pas bloquer, sinon il capture. Ah, il est fort, hein. Il est très fort. Donc ici, il force. Ah! Ah ouais? Bon, ça revient au même. Ça revient au même. Parce que là, quand il force, tac, tac. Là, ça m'a fait peur pendant une seconde. J'ai cru qu'il capturait tout. Noir, blanc, noir. Je suis obligé de protéger, en fait. Ouais, là, je suis obligé de reculer ici, en fait. Il a raison, hein, parce que si je protège là, il pousse, je 10, protège, il coupe, 9, je prends, mais il 8, prend ses pierres. 7, Et là, si je vais là, 6, il pousse, 5, je vais là, 4, protège, il 3, prend tous ses pierres. 2, 1. Il reste 4 périodes. Oh là là, c'est dur. Je me fais corriger un peu. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Ah, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Hop, vous comprendrez dans 5 minutes mon émoticône. Ah, il coupe. Et je prends les pierres. Pas le choix, hein. Je menace d'aller là, donc il va aller là. Et je vais aller en Q17. Et je vais recompter. Alors, je vais faire ça, hein, pour toujours dire. Attends. Non, ça change rien. Ça ne change rien. J'allais dire, je vais faire ça pour toujours dire ici, t'as pas d'œil. Mais en fait, il n'en a pas. S'il va là, je vais là. S'il va là, je vais là. Capture. Et maintenant, bah, il faut que je joue ailleurs. Est-ce que je risque quelque chose ici? J'ai l'impression. Ah, si, peut-être. Si noir va là. Si je viens ici. 10, 9, Qui va là? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ça a l'air sainteté son truc, c'est dingue. Parce que là, s'il coupait en D17, et même si je faisais Atari, je pouvais aller là, je pouvais pas protéger. Ah si, je pouvais protéger. Oh, je raconte n'importe quoi.
Je raconte n'importe quoi. Ouais, il faut que j'approche. Sinon, il fait tout le nord-est. La partie est très 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 compliquée pour moi. Je trouve, bah, je galère en fait. Je galère énormément. Faut que je recompte ce bordel. En vrai, non, s'il fait pas tant que ça sur le nord-est, ça va, hein, je pense, mais compliqué. C'est tellement compliqué. 6-9. J'ai 75, on va dire, plus ce qui va se passer en haut. Donc je dois être au-dessus de 80. Tout simplement comme ça, je pense. Je dois être un peu plus de 80. Et lui. Dix, neuf, huit, sept, six. Un peu 70, cinq, je dirais. 4. 70, je dirais, donc je suis un peu devant, mais. Celui-ci, il est pas l'air trop santé, parce que quand je viens là, il peut bloquer. Je sais pas. Non, il a l'air sympathique celui-là. Tac, 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 tac. On peut faire chier quand même. Ouais, donc il a pas envie. Et je viens là, hein, c'est gros. C'est gros, il n'y a aucune autre argumentation. Tac, tac. Est-ce que c'est risqué? C'est juste moche, mais c'est pas risqué. Donc, est-ce que j'ai pas un autre gros 10, coup à jouer hier, plutôt? 9, 8, 7, 6. 5, 4. Ça c'est bien. Ça sera bien aussi. Ça sera bien aussi. Je suis bête, hein. J'ai même pas rajouté ce coup. Il est gentil, hein. Il pouvait aller là. J'étais en train de me dire, comme j'ai imaginé que j'avais joué ce coup, je l'ai joué. Et ben, les parties du matin, compliquées. 10, ouais, bon, on va le jouer, hein, c'est quand même gros. Oh là là. C'est quand même gros. Vous en avez tout, vous, dans la partie? Regarde le retour. Ok, je suis sur l'angle vide. Justement. Ah, on a accéléré des rythmes, quand même. En même temps, on a bioémis tous les deux. Ouais, ça, c'est gros. Ok. Dix, neuf. Il me reste 4 périodes et lui 3. Ok. Bon, plus trop le temps de compter maintenant, il faut juste faire un meilleur yossé que lui, enfin en tout cas le meilleur yossé possible. Et il y a beaucoup de gros coups, hein. Si je vous montre les gros coups à jouer, vraiment, pour moi, hein, y a un truc par là, il y a ça, en gros, bon, ça c'est pas si gros, hein, mais... bon voilà, c'est vraiment les deux gros trucs, et il y aura sûr, probablement ça qui est sympa aussi. Et après, il y a plein de petits trucs, hein. Il y a poussé ici, il y a poussé là, et il y a des petits trucs comme ça. Ça c'est déjà de prix aussi. Ça c'est goté, mais c'est gros. Hein. C'est quand même. S'il le joue, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points.
C'est pas mal. Ouais, un coup à 10 points, je suis pas sûr qu'il en reste tant que ça. Peut-être ça. Si je viens là, il peut aller là. Tac, 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 tac. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors que si je joue là, je vais là. Il recule, je vais là. Je vais là. Ouais, ça faut 5 points pour moi. 6, on va dire. Ouais, c'est clairement beaucoup plus gros d'aller là. 10, 9. Et pour le moment, ça, 8, c'est gros aussi. 7, 6. Ça, ça vaut peut-être plus de 10 si je rentre. Probablement. Ensuite, ici, je peux faire ça, ça. Je peux même faire ça, peut-être. Ouais. Ouais, bon. C'est quand même gros. 10 points, quand même, à ne pas perdre. Je vais essayer de recompter vite fait, mais je me suis fait beaucoup en haut à droite quand même. Ok. Je vois. Effectivement, s'il fait Atari, tac, qui joue là, tac, qui fait Atari, tac, qui joue là, il me capture. Bon, là, je vous le montre pour le coup, parce que ça, ça va. Je pense pas que ce soit de la triche, parce que c'est lisible. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Si je réponds, il peut capturer le tout. Donc en fait, quand il fait noir ici, faites attention, protégez plutôt là. Prends d'abord ça, c'est normal. J'ai envie de faire des points sur le sud, ça se comprend. On va essayer de recompter peut-être. Quand 87 10, pour moi 9, seulement. Attends, 8, j'ai moins qu'avant. 7, 87, je compte. 6, 5, 4. Et lui. Non, il faut que j'utilise mes 30 secondes pour pouvoir compter. Je suis bête. Dix, neuf, huit, sept, six, 75, cinq, je compte un peu quatre, plus de 10 en avance. 3. J'ai vraiment compté vite, donc peut-être que j'ai bugué. C'est pas improbable. Il y a ça aussi qui est gros. 4 points quand même. Ça, c'est pas mal aussi. Je peux pas prendre la pierre. 10, sinon, je recule et je 9, prends tout ça. Ça, c'est sympa. Et en plus, c'est synthé. Noir, blanc et noir doivent encore connecter. Ça aussi, c'est pas mal. Ça connecte. Ça va sortir son santé. Et pourquoi pas, parce que de toute manière, il va prendre cette pierre. 10. Donc j'ai ça 9, et ça de gros, je dirais. 8, 7, 6, 5, 4. Peut-être que celui-là est plus gros 3. Quand même. Même s'il a le santé derrière. Ouais, normal. Là, il pourra jouer là, mais je répondrai là. Peut-être qu'il doit jouer là d'abord. 11. Bref, on va jouer ça. Et ouais, T11 a l'air plus intéressant que T13. Après, d'abord E19 hein, pour lui. SMT. Et A12 est peut-être bien aussi pour lui.
A12, tac, 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 CCNT, hein, parce que si après je ne réponds pas, donc A12 noir, blanc A13 et noir A11, déjà ça empêche que moi-même je fasse le A11. Et surtout, si je ne réponds pas et que je vais ailleurs, il peut faire Atari, je vais là, Atari, je capture. Non, ça marche pas, ok, j'ai cru qu'il y avait quelque chose pour lui. Autant pour moi. Il capture cette paire. Oui. Donc il me reste ça. Il me reste ça. 4 points. Ça. En fait, s'il vient là, tac, tac. J'aurais peut-être pas ce point-là. Alors que si je viens là, ça m'assure de... 1, 2, 8, 3 points. 7, 6, 5, en fait, c'est plus gros, 4, ça. 3, 2, 1. Je perds une période. Il reste et 3 ça, périodes. Ça vaut combien? Si je vais là, je retire un point. Donc 1. Et lui, s'il vient là... Ça a l'air de valoir 3. Ouais, ça c'est gros en fait. 4 points. Hein. Et ça, ça vaut combien? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bon, je vais prendre celui-là. Hop, je crois que j'ai assez dans la partie de toute façon, donc je vais essayer de pas trop descendre en période. C'est bien de pas perdre par le temps. Atari, E19, on recule comme ça, quoi d'autre? Bah vraiment, le T13 pour lui, ou T11 hein, plutôt, quoi d'autre? Bah le A11, bah lui A12, ou même tout simplement pour lui protéger en B10, hein. En fait. Après, il aura des broutilles comme M6, Q4, L19. Ouais. Hop, si j'arrive à cliquer. Il est dans sa dernière période, attention. Ah, il va là, c'est très dommage. J'espère qu'il a activé le son de son appli, enfin du site. Et je suis là, c'est très bien. Bon, capture. Quand il joue en T13, on répond pas forcément. Tac, tac, tac. Jouer là ou jouer là, ça revient à la même chose, puisque quand je vais là, il avance, je vais ici. Donc j'ai 1, 2, 3. Si je joue là, qui va là? Et que je protège. Ah non, j'ai un 2, 3, 4, je raconte n'importe quoi. Hop. Salut Isoka, bienvenue. Faudra que je te demande, enfin là je te le dis, si t'es là encore, si le délai est nécessaire ou pas, parce que je voyais Tilwen, il mettait, je sais pas s'il a mis un délai ou pas, ça je l'ai pas vu, parce que j'ai pas écouté, j'ai pas mis le son sur son stream, mais il a pas mis les emoticons only, donc je sais pas s'il a mis juste un retard ou pas. On va protéger ça. Menace de protéger, de connecter ses pierres, on lui dit non. Et ensuite quoi? On protège. On prend tous ses petits centers, hein, c'est son privilège. Tout petit coup dont on a parlé. Hein. Si je viens ici. Je peux faire Atari et je peux pas répondre. Sinon il capture. Donc autant venir là, il capture et là ça on va laisser 5 coups pour le moment.
Je fais un tari ici. Je joue un peu vite. C'est plus gros d'aller en A11. J'ai joué vite. J'ai joué trop vite. Ouais, on va revenir là. Bon, quoi que. Oh. Capturer cette pierre, mais c'est pas santé. Donc s'il protège, c'est un point pour lui. Si je capture, ça vaut 2 points. Ça, on avait compté 3, non? 10, 9, 8. Ouais. Et il protège, je connecte. Il protège. Et on joue les. On est quasiment damé en fait. Il attaque ici. Ok. Il devait ne pas forcément réussir à lire et se dire, bah allez, au pire, et il a raison, hein. S'il joue une pierre, je réponds, bah tiens, il me donne un point, mais je m'en retire un. Donc autant tenter, hein, il a raison. Et là, avec ça, peut-être que c'était plus facile de. Ah oui, non, ça marche pas, effectivement. En faisant ce coup-là ensuite pour lui, ça menace de capturer cette pierre et de sauver ces deux-là. Donc je réponds et il peut couper. Donc a priori, ça me donne envie de répondre là. Sauver ce point, ces 2 points et cette pierre. Ce qui est pas peu. C'est bien, ça lui fait des petits points. Et en même temps, il pourra avancer. Bon, on va prendre cette pierre, il n'a pas répondu. On pouvait avancer là aussi. Commence à avoir faim. Ouais, là, il peut jouer ça, il joue ça. Ouais. Il a des petits synthés sympas quand même. Bon, normalement, on est un petit peu devant. Dix, neuf, huit, on est vers 95. Six, cinq, vers 100. 4, 3. Vers 100 points. Et lui. Dix, neuf, huit, sept. Ouais, il a 75. Six, cinq, quatre, trois, deux. Il a 75. Il reste deux périodes. De 20-25, ouais, pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je protège un coup ici, bon, une pierre ici, une pierre ici. Là, de toute façon, il fera pas le point. On peut jouer ça. Ouais, c'est tout ce qui reste. De toute façon, là, on va en avoir un chacun, peut-être. 10. Et on va protéger. Il va prendre une pierre. Je vais protéger l'autre, il va protéger. Et on va jouer les damés. J'ai l'impression. Je remarque que je t'ai posé une question, Isoka, mais en fait, tu ne peux pas répondre. Ouais. Hop.
Ah, pas le jeu de co, hein, y a deux. On est en avance, y a pas besoin. Protège ça, on va jouer les damés. Hop. Je vérifie une dernière fois hein, qu'il n'y ait plus de points, mais je ne crois pas. Jouer tous les damés. Comme on disait, c'est les règles chinoises, donc il faut jouer. Ok. Je vérifie, hein, avec cette Atari notamment. Tac, tac. Il me reste une liberté là. Ça va. Ce serait dommage juste à la fin de faire une bêtise de la sorte. Donc ici, tout est fermé. Ici, tout est fermé. Tout est fermé. Il reste celui-là. Et ça a l'air fini. Il va passer et je passe. On va aller au comptage des points. Passe. Ouais, je suis d'accord. Enlever les pierres mortes. Y a pas l'air d'avoir de bug, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et on gagne de 30,5, ok. Ouais, c'était laborieux quand même, mais on accepte. Vous avez gagné. Bon bah merci pour la partie, merci beaucoup.